Salut, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur le tour Panthémor. Owen ne connaît pas encore très bien ce tour, donc ce sera l'occasion de travailler ça avec elle et de vous montrer en même temps. C'est parti! Alors on va tester ça avec Owen. Qui n'a jamais réalisé ce tour. Je l'avais entraîné un tout petit peu à faire les premières étapes, mais vraiment sinon vous allez vraiment voir en live ses réactions et comment, comment je lui apprends. Il faudra évidemment travailler sur un tapis, ça c'est très important, parce que sinon il va se faire mal et après il va plus vouloir faire le tour. Pour la première étape, on va mettre le chien dans la position couchée, face à vous. Vous allez incliner votre main sur le côté pour pencher sa tête et là vous récompensez. L'idéal c'est d'avoir un chien dans une bonne position couchée, c'est-à-dire avec les membres postérieurs qui sont en dessous de lui et pas sur le côté. Et donc on vient avec la main tout doucement et hop, voilà, on vient pencher sa tête. Yes, super. Donc au départ, juste pencher la tête. Yes, super. Deuxième étape, maintenant on va la faire renverser sur le côté. Donc vous allez plus insister en penchant la tête et en poussant en même temps avec votre main. Yes, super. Yes. Ok. Yes. Super, yes. Go. Yes. Yes, super, joli. La troisième étape, ça va être de faire durer le comportement. Donc on va, hop, on la remet dans la position. Yes! Et alors on va récompenser plusieurs fois. Yes! Tant qu'elle reste dans la position, on récompense. Yes! Super! Go! Ah, bon chien! Yes! Yes! Go! Ah, bon chien! Maintenant, on va ajouter un ordre vocal et un geste pour ce tour. On va devoir le répéter vraiment beaucoup de fois pour qu'elle puisse le retenir. Pan ! Ouais, joli ! Le tout, ça va être de reculer progressivement le geste. Vas-y. Pan ! Ouais, joli ! Oui ! Bravo, Abby ! Pan ! Ouais, super ! Ensuite, on va venir ajouter de la distance, donc votre geste sera de plus en plus loin. Pan. Oui, bravo, super. Je suis super contente parce que c'est la première fois qu'elle le fait à distance. Yes, super, c'est bien. Bravo, ma pupille. Ouais, pan. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle m'a proposé en fait d'autres tours qu'elle connaissait, parce que c'est la facilité, elle prend d'abord les tours qu'elle connaît le mieux, et elle a vu que je récompensais pas, donc elle a essayé, puis vu que depuis le début de l'exercice, on occupait de travailler ça, ben elle me l'a proposé, donc je suis trop contente. Pan. Oui, bravo. Yes, super ça. Go. Ah, c'est bien. Je suis trop contente. Alors là, vous voyez vraiment en live son apprentissage. Je suis trop contente. C'est bien. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus parce que c'est vraiment génial. Yes. Elle a vraiment bien travaillé. La dernière étape, c'est de faire le tour depuis la position debout, depuis la position assise. Vous pouvez vraiment varier. Faites attention au sol que vous utilisez parce que le chien peut vraiment se faire mal, surtout depuis la position debout. Oui. Il va vraiment se plaquer très fortement contre le sol. Vous pouvez utiliser un coussin ou même le faire sur votre lit par exemple. Je vais pas vous faire la démo avec Owen parce que c'est vraiment tout nouveau pour elle et j'essaye de faire vraiment étape par étape. Il faut pas du tout brûler les étapes, ça c'est vraiment important, il faut aller vraiment au rythme de votre chien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye.